Il y a des vacances que l'on n'oublie pas. Alban et Juliane commencent leur journée avec un vol découverte, leur baptême de l'air. Ouais, c'est bon, on est bon. Voilà, c'est parti. À bord de cet avion de tourisme, ils survolent Château-Chalon, Lons-le-Saunier et découvrent le château de Pin vu d'en haut. Ça fait un peu peur, mais après c'est une expérience à vivre, donc voilà. Moi j'aime bien voler. Voilà. Aux manettes, Michel, pilote amateur, plus de 2000 heures de vol au compteur, et toujours la même envie de faire partager sa passion. Donner une petite passion, s'ils peuvent s'intéresser plus tard à faire être pilote, on ne sait jamais. Hein. Voilà, ça leur permet de voir le sol différemment. Ah, parce que souvent j'emmène des enfants, puis ils disent, ah, y a des moutons. Mais non, je dis c'est des mèches, parce qu'on est beaucoup trop haut, on les voit toutes petites. 20 minutes de vol pour chaque enfant et adolescent inscrit à l'accueil de loisirs. Même Victoire, 6 ans, peut vivre cette expérience aux côtés de ses amis. Voilà, on y va. J'ai vu la tour de Toulouse. Et aussi la maison d'Annabelle. J'avais l'impression d'être légère. Puis il y avait des bourrasques devant, du coup bah, ça me secouait, puis c'était marrant. Un vol qui n'a rien coûté aux parents. Il est offert par la communauté de communes de Bresse-Haute-Seille qui a voulu faire découvrir les paysages jurassiens à ses jeunes habitants du secteur. L'idée, c'est de se projeter dans l'avenir, de pouvoir imaginer notre paysage de demain. On offre aux enfants cette possibilité de pouvoir le découvrir du ciel. Et donc on va les mettre aussi au travail un petit peu pour qu'ils nous disent ce qu'ils en pensent, comment ils le vivent et puis quels projets ils peuvent construire sur leur territoire. Avant de reprendre l'école lundi, une centaine d'enfants et d'adolescents auront l'autorisation pour une fois d'avoir la tête dans les nuages.